Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, la sensibilisation du public par rapport à l'ampleur du problème. 345 kilos de nourriture jetée en moyenne par les Belges, c'est énorme. Deux, il y a également la prise en compte par l'industrie, par Comeos, par toute la grande distribution, du type d'emballage, du type de présentation de produits pour éviter justement les gaspillages alimentaires. Et puis, il y a la collecte in fine des aliments qui ne sont plus aptes à la vente pour des raisons X ou Y, mais qui sont toujours bons pour la consommation. Alors, voilà, moi, j'achète en vrac. Je suis donc une adepte de choisir les quantités en fonction de mes besoins, de ma maison, de mon foyer. Et puis, je suis aussi une adepte de préparer des restes, de manger le lendemain ou le surlendemain sous une autre forme, les choses qui sont restées de la veille.